Pour réellement comprendre l'origine des jeux vidéo, plongeons dans les détails méconnus de l'histoire, là où les pixels étaient à peine un embryon d'idée et où Ralph Baer, un précurseur du jeu vidéo, trop souvent mésestimé, écrivait les premières pages de cette épopée vidéoludique. Reculons au tout début des années 70, une époque où Ralph Baer, ingénieur visionnaire, percevait les signes avant-coureurs d'une révolution électronique. Son idée, ambitieuse, était de créer un dispositif permettant une interaction électronique avec la télévision. Un concept en apparence farfelu à l'époque. Ainsi naissait la Magnavox Odyssey, une étrangeté dans le monde du divertissement. Mais la Magnavox Odyssey n'était pas simplement une console de jeu. C'était une fenêtre vers l'inconnu. Le 24 mai 1972, Baer dévoila son chef-d'œuvre au public. Imaginez l'excitation électrique, l'anticipation chargée et l'énergie palpable. La Magnavox Odyssey n'était pas juste une console, elle était une vision. Plongeons dans les coulisses de cette création extraordinaire. Baer et son équipe ont sculpté cette révolution à partir de rien. Le gameplay n'était pas projeté sur un écran, mais sur la surface physique du téléviseur. Les manettes, de simples curseurs et des cartes, étaient les prémices de l'interaction à domicile. Cependant, saviez-vous que la Magnavox Odyssey n'était pas simplement une machine à jouer? Baer avait des idées bien plus larges. Il avait envisagé des pistolets optoélectroniques, des accessoires aujourd'hui oubliés, mais qui préfiguraient étrangement les périphériques modernes. L'histoire révèle des détails captivants. Par exemple, les travaux sur la Magnavox Odyssey ont débuté dès 1966, bien avant sa sortie officielle en 1972. Baer et son équipe ont dû surmonter les sceptiques et les défis technologiques pour donner vie à leur vision. Cette période était également marquée par des collaborations inattendues. Baer a en effet travaillé avec un ingénieur électronique, Bill Harrison, qui a apporté des idées novatrices pour la conception des manettes et des jeux. Ces détails, souvent oubliés, sont les pierres angulaires cruciales de l'histoire de la Magnavox Odyssey. Alors que le monde découvrait cette boîte noire révolutionnaire, les débuts de l'industrie du jeu vidéo étaient en train de prendre forme. Et dans les origines de la Magnavox Odyssey, explorons comment cette console pionnière a captivé les joueurs de l'époque. Dans la vaste palette de la Magnavox, plusieurs jeux originaux ont marqué les esprits. Le mythique Table Tennis, considéré comme le premier jeu de raquette électronique, a ouvert la voie à d'autres titres révolutionnaires tels que hockey et ski. Chaque jeu a apporté sa propre expérience unique, définissant ainsi les prémices des genres que nous connaissons aujourd'hui. Ces jeux recelaient des mystères et des surprises, ajoutant une profondeur insoupçonnée à l'expérience de jeu. Les concepteurs de la console ont semé des pépites ludiques qui ont peut-être échappé à de nombreux joueurs, mais qui ont indéniablement contribué à la magie des premiers jeux vidéo à domicile.